le somptueux thème Duel of the Fates, bien sûr, vous l'aurez reconnu, l'une des grandes compositions de la saga Star Wars, bien évidemment. Et j'ai même envie de dire, l'une des seules bonnes raisons de regarder Star Wars, la menace fantôme, c'est-à-dire le premier volet, quoi. C'est peut-être méchant, mais c'est ce que je pense. Non, sérieux. Alors, quelles sont les deux autres raisons? La seconde raison, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire c'est la fameuse course de pod racer, la fameuse course de modules sur Tatooine. C'est tout l'objet du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est le combat final au sabre laser, justement avec en fond sonore Duel of the Fates, qui réussit à sublimer toute l'action qui s'y passe. Ouais, c'est vrai qu'avant de parler du jeu en lui-même, je me suis dit, parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu où il n'y a pas grand chose non plus à raconter, c'est un jeu de course, style Mega Speed, à la F-Zero, à la Wipeout, d'ailleurs peut-être nickel, puisque là vous voyez la démo avec justement la course de Tatooine, la Bonta Eve, donc je vous laisse apprécier. Mais avant de commencer le jeu, oh, et en plus avec le pod de Sebulba, regardez, c'est excellent, je ne savais pas, parce que les démos se mettent dans le désordre total à chaque fois, même quand on met la console hors tension et qu'on la rallume, on ne sait jamais sur quelle démo on va tomber. Donc là c'est génial, regardez bien, c'est excellent, vous ne le verrez certainement pas deux fois, d'ailleurs c'est déjà fini, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, mais vous venez de voir le module de Sebulba, et ça vaut tout l'or du monde. Donc je disais, avant de commencer, je voulais un petit peu vous dire le fond de ma pensée sur le film, voilà, sur Star Wars, La Menace Fantôme, et plus précisément, plus généralement plutôt, sur toute la première trilogie, donc les épisodes 1, 2, 3. Parce que pour moi, ça a été une immense déception. Vous savez, quand j'ai vu le film, en 99 au Cinoche, à la sortie de la séance, je vous assure que, c'est pas des conneries, j'avais les larmes à l'œil. Voilà. J'avais les larmes aux yeux. Attendez, les larmes à l'œil. Non, c'est la larme à l'œil. Attendez. ça va commencer, là. Non, la larme à l'œil, les larmes aux yeux. Oui, c'est mieux comme ça, oui. Un œil des yeux, hein, et pas un yeux des œils. Donc j'avais les larmes aux yeux. Oui, c'est ça. Non, parce que... Non, mais franchement, il faut pas déconner, quoi. Et moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui, aujourd'hui, disent du bien de ce Star Wars, la menace fantôme, quoi. Alors qu'il a juste anéanti, pour moi, la saga Star Wars. C'est peut-être un petit peu méchant de dire ça. C'est peut-être un petit peu abusé, un petit peu fort. C'est vrai. C'est vrai que j'y vais un petit peu fort. C'est pas des films pourris non plus. Oh, mais quelle déception, mon Dieu, quelle déception. Le George Lucas, il est allé dans une optique qui ne me qui ne m'a pas du tout convaincu. C'est pas des films qui étaient faits pour moi, vraiment. C'est plat, ça a pas d'âme, ça a pas d'émotion. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues? Mais qu'est-ce que c'est que ce script? On dirait que ça a été écrit par un attardé de 12 ans, quoi. C'est... Quelle platitude! Quelle platitude que les épisodes 1, 2, 3. Oh! Mon Dieu. Mon Dieu. Je vais pas vous dire que les épisodes 4, 5, 6, ils sont extraordinaires. Mon Dieu, que c'est mille fois mieux, qu'il n'y a rien à leur reprocher. Mais loin de là, c'est loin d'être des films parfaits. Loin. Mais, tu as ce quelque chose qui fait... qui est inexplicable en réalité, et qui fait les grands films. Voyez ? C'est intense. Tu ressens les émotions des acteurs. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, et qui ne se passe pas du tout dans les épisodes 1, 2, 3. Mais pas du tout. Ah ben c'est nickel, on revoit la... Et vous avez vraiment de la chance, hein, je vous assure. On revoit la course de pod de Sebulba. Vous avez vraiment du bol. Profitez-en, parce que... Incroyable. Enfin voilà, je voulais vous dire mon ressenti, parce que c'est vrai que j'ai été mais dégoûté, c'est le mot dégoûté, quoi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que j'allais prendre mon pied comme jamais j'avais pris mon pied dans une salle de cinéma, et ça a été mais tout le contraire, quoi. La douche froide. Putain. Oh. C'est surtout les dialogues, quand même. C'est surtout les dialogues. Et... Plus globalement,
la mise en scène globale, la structure globale, la façon dont a été ficelée l'histoire, ficelée le film, ça m'a pas plu. Il pouvait largement faire mieux. Mais c'est surtout les dialogues, quoi. Oh my god. Oh my god. Plus insipide, tu peux pas. Tu peux pas faire plus insipide. Ça existe pas. Enfin voilà, je dirais que je voulais faire un petit préambule pour vous dire mon ressenti sur la tri. Là, je vous ai seulement parlé de la menace fantôme. Après, je pourrais vous parler de l'attaque des clones et de la revanche des Sith. Évidemment, le troisième épisode est le meilleur, bien sûr, de la vie de tous. C'est ce que tout le monde pense, moi aussi. Mais même le troisième épisode. Ah putain. Bien sûr, c'est le meilleur de la trilogie, mais putain. Bah, je sais pas, ça m'a pas plu. Qu'est-ce que tous les jeux vous disent ? Moi, attends, moi, il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je dois dire. En fait, c'est que c'est complètement pourri. Allez. Donc, bonjour à tous. Encore du grand important à voir cette vidéo. Et donc, je vous retrouve, vous l'aurez compris, pour la présentation de Star Wars. Je suis un petit peu enroué, hein. Autant vous prévenir, donc je vais essayer de parler doucement. Pour la présentation de Star Wars Episode 1 Racer, un jeu, vous l'avez compris, basé sur la célèbre course de modules sur Tatooine. Là, on se retrouve sur la version Nintendo 64 avec l'Expansion Pack, je précise, avec le RAM Pack. Donc, vous aurez le jeu dans sa plus belle, dans son plus beau élément. C'était également sorti sur PC, donc c'était en mai 99, hein, date de la sortie du jeu, de la sortie du film plutôt, exactement de la sortie du film. Hein. C'est le jeu et le film sont sortis exactement en même temps, mai 1999. Niveau marketing, ils pouvaient pas faire mieux. Et étonnamment, eh bien, le jeu est plutôt bon, figurez-vous. Voilà, alors que généralement. Bon, quand c'est des jeux adaptés d'une licence, même si là, d'accord, c'est Star Wars, c'est LucasArts, c'est pas comme si c'était un jeu lambda, mais quand même, un jeu qui sort exactement le même mois, le mois de la sortie du film, on pouvait s'attendre au pire. Et là, c'est clairement pas le cas, il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est certain. Et un an plus tard, on a eu droit à une version Dreamcast, mais qui était... qui a eu une rehausse graphique extrêmement faible en réalité. Il y a une petite cinématique au début, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup plus d'ajouts par rapport aux versions N64 et PC, donc c'est assez étrange, quoi. Il est évident que la Dreamcast pouvait faire bien mieux que cela. Allez, on commence, j'appuie sur Start. Deux, trois modes de jeu, mais qui en réalité sont quasiment identiques. Le mode tournoi et jeu libre, c'est quasiment pareil. Le contre-la-montre, c'est pareil, sauf que on est seul sur la piste. Il faut faire, putain, je me rends compte que je suis enroué, mais un truc de fou. Il faut vraiment que je parle doucement. Le contre-la-montre, on est seul sur la piste, faut faire le meilleur temps. Et le deux joueurs, en écran splitté, qui fonctionne pas trop mal. Bon, c'est sûr, le nombre de FPS est réduit par rapport au mode un joueur. Il y a un petit peu plus de brouillard et donc de clipping, mais ça reste jouable. On va faire le mode tournoi parce que c'est clairement celui qui est le plus intéressant. Mais déjà, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de championnat. Vous voyez, dans le mode tournoi, ce ne sont que des courses uniques. Comme en mode free libre. Ou comme en mode contre la montre. Il n'y a pas de véritable tournoi où on va gagner des points à la fin de chaque circuit. Genre des coupes. Non, c'est toujours, c'est un circuit unique. Tu fais le circuit unique, le but, c'est de finir premier. Il n'y a rien d'autre. T'as pas de coupe. Déjà, je trouvais ça assez bizarre, quoi. Pourquoi ils appellent ça tournoi? Eh bien, on n'en sait absolument rien du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer une partie. Donc, je crois que c'est là qu'il faut aller. Voilà. Allez, effacer. Oui, je suis sûr d'effacer. Voilà, on va prendre cette partie vide. Ensuite, je prendrai une partie, l'une de mes anciennes parties, quand même, pour vous montrer les modules version avancée, parce qu'on peut les améliorer. C'est l'une des particularités du jeu. On va gagner de l'argent à la fin des courses, ce qui nous permettra d'upgrader nos modules. Et du coup, on pourra aller beaucoup plus vite. Et le maniement sera un petit peu amélioré. Bon, on va s'appeler... On s'en fout, on va s'appeler... Comment on va s'appeler ? P-O... On va s'appeler POC, c'est rigolo ça. POC, on va s'appeler POC, c'est marrant ça. Alors au départ, on a, je crois que c'est. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 véhicules.
Mais quand on terminera premier à certaines courses, on débloquera d'autres véhicules et au final, ça sera pas moins de 23, j'ai bien dit, 23 pods qui nous seront accessibles avec, vous le voyez, des statistiques qui leur sont propres, hein, l'accélération, la vitesse maximum, etc., etc. On va prendre évidemment Anakin Skywalker, sachant que quand même, tous les personnages sont issus du film, hein. Si vous regardez le film, vous verrez qu'en fait, ils étaient là dans le film. Ouais, incroyable, donc ça c'est vraiment pas mal quand même. On va prendre bien sûr Anakin Skywalker, le héros du film. Et donc voilà comment se passe le mode tournoi. Il nous explique qu'en fait, il y a trois tournois. Voilà, le circuit amateur, le circuit semi-pro et le circuit galactique. Mais en réalité, c'est des conneries parce que ben, on est obligé de faire toutes les courses une par une pour débloquer les autres courses. Comme je vous l'expliquais juste avant, il n'y a pas de coupe. Voilà, il n'y a pas de coupe. Et là, pour le moment, je ne peux faire bien sûr que les premières courses de chaque tournoi. Donc on va faire la toute première, entraînement de la Bounta. Ça tombe bien puisque c'est la course du film sur Tatooine. On voit le favori du circuit, c'est Bulba bien sûr, comme dans le film. Mais là, voilà, ce qui est important, c'est en bas à gauche, les gains. Vous pouvez voir, quand on finit premier, on aura 1200, c'est Trugut, c'est la monnaie du jeu. Bon, on va dire dollars, hein. 1200 dollars. Et quatrième, 100 dollars. Mais ça, on peut le changer. On peut mettre en équilibré pour que ça soit un petit peu plus équilibré. Ou on peut mettre avec le vainqueur prend tout. Donc, du coup, je suis obligé de finir premier pour avoir les 2200 dollars. Mais attention, ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est qu'une fois qu'on aura fait une première fois cette course, on ne pourra pas la refaire pour gagner encore du pognon. Non, non, ça sera fini. Quand on fait la course une première fois, on ne peut pas la refaire. Donc, il faut faire gaffe. Là, je vais faire premier parce que c'est la première course. Elle est très simple. Je suis certain d'arriver premier, donc je mets le vainqueur prend tout. Mais ça, c'est un truc à savoir. Attention, hein, les gains, on les gagne qu'une seule fois. Attention. Et donc, c'est ici où on va pouvoir améliorer le véhicule et tout ça, tout ça. Mais ça, on le verra après parce que sinon, je vais encore rester 5 minutes et ça va être pourri. Donc, on commence la course directement et par la suite, je vous montrerai ça. Avant les courses, on a comme ça une petite cutscene. Hein, voilà, là, donc là, les fans du film reconnaîtront l'endroit sur Tatooine. Vous allez voir que les vaisseaux sont vraiment pas mal. Les modules sont très bien faits. Alors, regardez avec les deux fameux moteurs là sur le côté. Ils sont extrêmement bien modélisés. Ils ont une animation de ouf. Regardez, regardez l'animation. Franchement, ça le fait. Animation juste excellente, juste excellente ici. On peut faire plusieurs choses, mais déjà ce qui frappe quand on commence le jeu, c'est à la fois la vitesse, parce que c'est très rapide, et pourtant croyez-moi, là c'est rien du tout. Ce qu'on voit là, c'est absolument rien du tout, hein. C'est également quand même la beauté des décors, parce que bah, le mec qui a joué, on va dire, juste avant à F-Zero par exemple. Bon, ou à Extreme G, qui est un autre jeu méga speed de la N64, il se dit, oulala, mais attendez, mais on se croirait carrément sur une autre console là. C'est très joli, c'est très joli. Alors attention, comme je vous l'ai dit, on est avec le RAM Pack, hein, qui rajoute de la mémoire à la Nintendo 64. Donc ça, oh putain, j'ai pris le rocher en pleine poire là. Oh putain, il y a un second. On va essayer de mettre les turbos. Attention, c'est parti. Là, on va à la danse. On essaie d'aller. Merde, quel con. Ça s'est désactivé parce que je suis repris un rocher. Dans la poire. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah, le mec qui joue juste avant à F-Zero, puis après qui joue à ça, alors que le mec, bah, F-Zero, c'est quand même le porte-étendard de la vitesse dans les jeux de bagnole. Il se dit, ah putain, quand même, pas mal du tout. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que là, regardez, là, je suis à 460 km/h, c'est rien du tout, parce que quand on va améliorer nos modules, eh bien, sachez que. Hop là. Sachez que on pourra aller beaucoup plus vite. On pourra même dépasser les 1000 km/h. Alors, pas. On ne peut pas non plus aller à 1000 km/h tout le temps. On peut seulement faire ça avec la post-combustion. C'est une espèce de nitro qui est assez chiante à utiliser parce que d'abord, il faut être à fond. Ensuite, il faut orienter le stick vers l'avant comme je le fais. Ensuite, on réappuie. Voilà, là, c'est parti. Là, je suis en post-combustion. Alors, je vais aller à fond, vous allez voir que mon réacteur, il va s'enflammer. Maintenant, il faut vite
Mon réacteur s'est enflammé. On appuie vite sur la gâchette, sur le bouton de tranche R pour le réparer. On n'a qu'une fraction de seconde pour appuyer. Là, si je n'avais pas appuyé directement, le moteur allait exploser et j'allais me crasher. Ce qui n'est pas catastrophique parce que regardez, quand on se crache... Merde, je vais pas réussir. Je voulais me cracher, j'ai pas réussi. Ah, quel con, attendez. C'est trop fort. Attendez, je vais me cracher, voilà. Là, c'est parti, là, ça devrait être bon. Voilà. Quand on se crache, c'est pas dramatique parce que voilà, on est remis directement sur la piste. On n'a pas de nombre de vies vraiment limité. On peut revivre comme ça indéfiniment. Il n'y a pas de game over. Bien sûr, on perd un petit peu de temps parce que le temps qu'on whispam sur la piste. Oh putain, le camp de ces bulbas là, il m'a enflammé cet enculé. Oh, vite réparer. Oh putain, le con. Ouais, vas-y, réparer. J'espère que ça va être bon. Oh putain, c'est Just. Allez, c'est bon, il est réparé. On repart. Le problème quand on répare aussi, c'est que forcément, on va moins vite. Hein. Notre vitesse est diminuée. Par contre, putain, quel con, j'aurais pas dû faire ça. Oh putain, le con. Oh putain, il faut que je finisse premier. Vite. Ah donc, là. Il faut que je dépasse ces Bulba. J'ai pas le choix. Oh le con. Mais c'est pas vrai, quelle malchance. Ah là, j'ai la malchance, là. Oh putain de merde. Je suis toujours premier. Oh le con, il est juste derrière moi. Oh putain, là. Oh putain. Il est où? Non, c'est bon. Ouh, là c'était intense. Et franchement. Regardez, voilà. Regardez. Vous avez vu ces Bulba? À la droite de son module, il y avait un lance-flamme. Alors, si vous avez vu le film dans sa version originale qui était sorti au Cinoche en 99, vous devez peut-être pas comprendre. D'abord, il faut savoir que ces Bulba, c'est le seul personnage qui peut faire une attaque dans le jeu. Tous les autres, ils n'ont aucune attaque. Ces Bulba, il peut, comme ça on peut, mais nous aussi, quand on incarne ces Bulba, parce que c'est un pod à débloquer pour nous, c'est le pod le plus difficile à débloquer, puisqu'il se débloque seulement quand on finit premier à la toute dernière course du jeu que je vous montrerai. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'en fait, la dernière course du jeu, c'est la véritable Bunta Eve. C'est la course que l'on voit actuellement, mais puissance 10. Elle est 3 fois plus longue. C'est la véritable course, en fait. Ça, ce n'est qu'une espèce de... Comment dire, c'est comme petit morceau, c'est qu'une espèce d'entraînement, c'est que pour les débutants, celle-là. La véritable, c'est la dernière course du jeu, c'est la dernière course que l'on débloque. Elle est pas, c'est pas évident à la débloquer quand même. Et donc, je reviens sur le Cebulba. Si vous avez vu le film, peut-être que vous ne comprenez pas parce que dans la version de base, Cebulba ne se sert pas de son lance-flamme. Mais en fait, quand on... dans une version DVD, c'est-à-dire dans les scènes coupées, on se rend compte qu'à l'origine, Cebulba se sert bel et bien de son lance-flamme. D'ailleurs, il expose complètement un adversaire avec ça. Et donc, c'est pour ça que là, ils ont mis le lance-flamme. Donc, j'ai fini premier, c'était Just, et vous avez vu, hein, putain la vache, c'était vraiment Just. Mais on a quand même réussi à finir premier, donc du coup, j'ai gagné 2200 truguts, c'est en bas. Là, on peut voir un petit peu le classement. On est 12 sur la piste, et ça aussi, c'est pas mal quand même. 12 sur la piste. Ils ont vraiment réussi à bien gérer. On aurait pu être que, je sais pas, 4, 5 ou 6, étant donné quand même la beauté du jeu et la rapidité. Faut quand même que la console arrive à gérer le tout correctement. Et le jeu est fluide en plus de ça. Le jeu est fluide. Donc c'est clair qu'au niveau technique, pur, au niveau de la réalisation, ça en jette. Ça a de la gueule, quoi. Je veux dire, ça renvoie tous les autres jeux de course de la N64, mais à l'âge des cavernes, quoi. Moi, quand j'ai découvert ce jeu, je m'attendais à jouer à une espèce de pseudo-dobe. Mais on est complètement surpris, quoi. Alors, surtout quand juste avant... T'as joué à F-Zero, qui est quand même... F-Zero, c'est pas rien, quoi. C'est Nintendo, c'est une grosse licence, c'est un truc de ouf. Mais F-Zero, tu te rends compte de la mocheté du machin. Le truc, c'est que moi, quand j'ai joué à F-Zero, je pensais que pour atteindre la vitesse du truc, ils avaient été obligés de rendre le jeu moche. Mais en fait, avec ça, tu te rends compte que pas du tout, quoi. Tu te rends compte que la N64, elle en avait réellement sous le capot, et qu'il est bel et bien possible de faire un jeu qui va très vite, qui est très fluide, et qui est très beau. Star Wars épisode 1 Racer nous le prouve. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Donc, voilà, et donc du coup, j'ai fini premier, j'ai accès à la seconde course. Sachant que on n'est pas obligé de finir premier pour débloquer les courses suivantes. Quatrième est suffisant. Faut être premier, seconde, troisième ou quatrième pour débloquer... Putain, j'ai ma voix qui part en couille. Hein, pour débloquer les courses ci après. Alors, au départ, c'est...
Honnêtement, c'est assez simple, hein. Si on fait un minimum attention, le jeu est assez simple. Par contre, les dernières courses de tous les tournois, j'ai envie de dire la sixième et la septième de chaque tournoi, honnêtement, c'est hard. À finir premier, c'est ardu. Faut vraiment maîtriser le jeu, faut maîtriser les mécaniques du jeu, faut avoir bien amélioré le véhicule que l'on conduit, sinon on peut pas y arriver. Je dirais même qu'il faut quasiment connaître le circuit par cœur. Voilà, parce que ça va tellement vite. Pour l'instant, évidemment, vous vous dites c'est très jouable parce que ça va pas vite ni rien, mais encore une fois, la vitesse est doublée en réalité. La vitesse dans le jeu, elle est très vite doublée. Là, c'est que le début du jeu, on va pas très vite, mais quand on va à 800 km heure tout le temps, c'est une autre paire de manches. Franchement, ça n'a rien à voir. Mais vous le verrez, vous le verrez. Donc, je vais vous montrer la seconde, quoique non, parce que la seconde course, elle est pourrie, hein. Ouais, je sais pas trop. Ou alors, je fais un autre tournoi. Ou alors, bon, je vais quand même vous montrer la seconde course. Voilà. Et du coup, donc, je vais améliorer mon véhicule. Donc, ensuite, on peut inspecter le véhicule. Bon, c'est juste, on peut juste en gros le regarder. Sous toutes ces soudures, j'ai envie de dire. Donc en fait, voilà, on peut diriger un petit peu la caméra. On voit Anakin sur le côté. On peut zoomer, dézoomer et on peut changer d'angle de vue. Là, par exemple, j'ai pris la vue de Anakin. Hop là, ça fait peur, hein, ça fait peur. Et encore Anakin, il, on va dire, réussit à peu près convenablement. Parfois, t'as des personnages. Franchement, ils font peur, quoi. Parce qu'ils sont tellement cubiques, c'est des carrés, quoi. C'est des carrés. Donc voilà. Le jeune Anakin Skywalker. Et donc ça permet, voilà, juste de voir un petit peu plus en détail les modules. Ah, avec les fameux droïdes mécanos qui le réparent. Ça aussi je peux vous en parler puisqu'on peut, on peut en acheter dans le jeu. Attendez, je vais partir de là. Regardez, améliorer véhicule. Donc là, ben voilà, en fait, ben c'est, je pense qu'on va pas y, enfin, c'est complexe sans être complexe parce que on peut acheter une pièce mécanique neuve, on peut également l'acheter à la casse, mais du coup elle sera forcément d'occasion, elle aura pas sa durabilité au maximum, parce que vous voyez que, regardez à droite, vous voyez une jauge de vie verte. Eh bien, parce que oui, on va comment dire, les pièces, on va endommager en fait le matériel à chaque course, et donc du coup faudra le réparer, faudra même en acheter d'autres pièces, sinon forcément le pod, eh bien, il ira moins vite, ou il sera, il aura une plus mauvaise accélération, ou on tournera moins bien si les pièces sont défectueuses. Vous l'aurez compris. Et on peut également donc acheter des droïdes mécanos, 4 au maximum. Ce qui nous permet en fait, c'est pendant les courses, vous l'avez vu tout à l'heure lors de la course, je vous l'ai dit, c'est en appuyant sur le bouton R en continu, on perd de la vitesse, mais ça nous permet de réparer nos moteurs. Et bien en achetant des droïdes mécanos, on va réparer plus vite. Donc c'est important. Donc voilà, ça vous l'avez vu. On va donc aller dans acheter des pièces. Je vais pas vous montrer la casse, hein. C'est pareil, sauf que c'est de l'occasion. On retrouve Watto, le personnage du film, donc le maître de Anakin pour les connaisseurs. Et donc c'est là où on peut acheter, par exemple, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter vitesse max. Je sais pas si j'ai assez, voyons. J'ai 2200. Ouais, j'ai pouvoir. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète une pièce, on l'achète jamais au prix complet. On fait toujours un échange en fait avec notre pièce qui était déjà sur notre vaisseau. Là par exemple, on va acheter la bobine à bougie 3. Elle vaut 2400. Actuellement, on a la bobine à bougie 2. Et on se rend compte que le Watto va nous l'échanger notre bobine pour 1000. Donc forcément, ça va pas nous coûter 2400, mais 1400. On va acheter. Hop là. Et voilà, je crois que ça y est, on va vérifier. Voilà, ça y est. Voilà. Mon pod est amélioré. Et voilà. Et c'est comme ça pour tous les pods du jeu. Donc ça, il n'y a rien d'autre à savoir ici. La casse, c'est pareil. Acheter des droïdes mécanos, je viens de vous expliquer à quoi ça servait. Et voilà. Et dans les options, on voit pas grand-chose d'intéressant. Reflet éblouissant, c'est pour avoir un effet de lens flare avec le soleil. Si vous avez fait attention, on en avait sur la course de Tatooine. Et résolution, ben ça en fait, c'est la basse ou haute résolution.
Ben, on est obligé d'avoir le RAM pack en fait pour activer ce qu'ils appellent la haute résolution. En fait, c'est pas la haute résolution, hein. On n'est pas en 1080p, hein. Mais à l'époque, en 99, ils appelaient ça la haute résolution. Ça permet d'avoir des textures moins floues. C'est ça, moins flou qu'à l'accoutumée. Surtout que sur la N64, vous le savez, on a très souvent des jeux qui sont très très flous. Donc, ok, on dégage de là, commencez la course, et c'est parti. Voilà, putain, oh là la vache, je me rends compte qu'on a déjà dépassé les 26 minutes et je vous ai montré une course. Ça va être encore du pot qui coule tout ça. Oh, en plus, elle est pourrie cette course. Ouais. Et, par contre, elle est super courte. C'est l'une des très rares courses qui est courte. Là, on fait le tour en 30 secondes alors que généralement, d'ailleurs ça c'est l'un des points forts du jeu, généralement, on va changer de vue, généralement les courses sont très très... Ouais, les courses sont vachement longues. Les courses sont mais vraiment 1 minute 30, 2 minutes, voire parfois 2 minutes 30 à faire un tour. Pas la course entière, un tour. Et vu que dans le mode tournoi, il faut faire 3 tours, vous aurez compris que souvent, on reste 6, 7, 8 minutes, 8 minutes sur le même circuit, parce que les circuits sont super longs, ils font plusieurs dizaines de kilomètres de distance, sauf celui-là, hein, parce que celui-là, il est complètement, non seulement il est moche, il est pourri, mais en plus, il est court. C'est une espèce d'ovale complètement moisi. Je suis en train de rattraper le 12e là-bas, vous voyez, on voit les derniers. On voit leur numéro sur leur truc. Donc là, vous voyez les différents angles de vue. Hein. Celui-là, un petit peu plus rapproché. Une vue juste derrière les deux turbines, les deux réacteurs. Super bien fait, franchement. Encore une fois, la modélisation des réacteurs, ça force juste le respect. Le faisceau électrique là au milieu qui maintient les deux. Ah, super bien fait également. Une autre vue au ras du sol. Et voilà, et c'est tout en gros. J'ai encore pas mal de trucs à vous montrer. Comme ça, par exemple, on peut se mettre sur la tranche. Mais ça sert très peu, ça c'est un petit peu mal fichu au niveau de l'ergonomie avec le joystick de la N64 parce que pour se mettre sur la tranche, donc on peut évidemment le faire des deux côtés, on se sert des boutons jaunes. Bon, je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un joystick Nintendo 64, il faut que vous ayez déjà vu une manette de la N64 pour comprendre. Hein. Donc les quatre boutons jaunes sur le côté droit. Et donc du coup on est obligé d'enlever son pouce de l'accélérateur. Vous voyez? Et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas bon quoi. Parce que attendez, on va passer, je vais vous montrer là une autre course. Ah merde, j'aurais pas dû passer. Parce que là en fait il y avait le droïde qui nous apprenait qu'on venait de gagner un nouveau pod. Ah c'est dommage, on aurait pu le voir, mais j'ai malencontreusement appuyé sur le bouton et donc on ne l'a pas vu. Peut-être qu'on peut le voir si je fais changer de véhicule. J'imagine que c'est le tout dernier. Ah, quoique... Ah, je sais plus. C'est peut-être Audi Mandrel que l'on vient de débloquer, mais je ne sais plus. Ouais, je pense que c'est lui. Ou alors... Attendez. Non, si, si, je pense que c'est Audi Mandrel. Non, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais plus, mais nous avons débloqué un véhicule. Par contre, je peux changer. Je peux vous en montrer un autre. Voyons un qui est pas trop mal. Ouais, ils sont complètement pourris. Forcément, au départ, tous les modules sont pourris et toutes les statistiques sont complètement moisies. On est obligé de les améliorer. Sachant qu'on ne peut pas non plus tout améliorer au maximum. Il y a un seuil. Hein. Il y a un seuil à ne pas dépasser. Sinon, c'est trop facile. Sinon, on pourrait augmenter un véhicule tout au maximum et on détruit tout. Non, non, non. Les véhicules ont des seuils maximaux, j'ai envie de dire, qu'on ne peut pas dépasser. Tiens, je vais prendre lui. Allez, hop. Et on va commencer. Ah, j'aurais pu améliorer, c'est pas grave. Ouais, donc pour cette histoire de se mettre sur la tranche, c'est pas très bien fichu parce qu'encore une fois, on est obligé de retirer son pouce de l'accélérateur et donc du coup, on perd de la vitesse et en plus, ça sert pas à grand chose. Voilà, pour tout vous dire, de se mettre comme ça sur la tranche. Donc c'est pas tip top. Alors on peut faire une espèce de bon démarrage, en tout cas meilleur démarrage quand on fait. Quand on démarre juste après le dernier signe. Alors, dans cette course enneigée, ça aussi, vous voyez que tout de même, au niveau des environnements, c'est assez varié. Oh non, 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 elle est horrible, on n'y voit rien du tout avec cette vue. C'est assez varié, là, on se retrouve carrément dans un environnement de glace. Alors, il y a pas mal de raccourcis, je vais essayer de les prendre. Donc là, par exemple, il y en a... Ah merde, il était là, ah, trop tard, vous voyez. Là, il y avait un raccourci à gauche. Ouais. Là, à gauche, j'aurais pu aller sur ce truc-là. Ah, mais je peux y aller peut-être. Ah non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh putain! Laisse tomber, c'était trop tard. J'aurais pu y aller, ce qui m'aurait fait rentrer. Oh putain, comment il est pourri ce module, c'est hallucinant.
Oh la vache, il a une inertie complètement moisie. On va quand même essayer de faire gaffe. Donc regarde, vous l'aurez remarqué, en haut à gauche, c'est le nombre de tours. Oh putain, attention, on est sur la glace. Hop, et là, ça va être catastrophique parce que j'ai un module qui se dirige, mais... Oh putain, vite! Allez, c'est bon! Ouais, j'ai réussi à passer. Il est pas évident, ce passage. Il est pas évident. Là, on va tenter d'accélérer. Ok, on est parti. Adonf. On est parti, Adonf. On est parti, Adonf. Et merde! Putain, je me suis trop... Je me suis reposé sur la glace d'une façon trop forte, ce qui m'a annulé mon boost. Alors, on va le refaire. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer comment ça se passe le boost, parce que c'est pas évident. Je trouve ça justement assez chiant à utiliser, pour tout vous dire. Parce que... Ou allez. Parce que... Mais c'est assez... C'est assez contraignant, voilà, à utiliser. Donc le boost, c'est la post-combustion. On pourrait assimiler ça à une espèce de grosse accélération, à de la nitro. Attends, je me concentre un petit peu, c'est pas évident. Ah, là aussi, vous voyez, il y avait un passage secret à gauche qui venait de s'ouvrir dans une tente. C'était un raccourci, en fait, un espèce de petit chemin alternatif. Là, par contre, je vais vraiment essayer de prendre celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc... Ah, merde, c'était là, en fait! Ah, putain, attendez, hey, je suis un fou dans ma tête, je vais vous le montrer. On va aller en reculant. Oh, mais d'accord, je me suis carrément fait démonter par un autre qui venait... Attendez. J'ai envie de vous montrer cette connerie de passage secret. Mais oh mais voilà, je vais vous montrer la fin du passage secret. Non, parce que ça m'énerve, je vais vous montrer. Mais nom de Dieu, moi je suis têtu dans ma tête. J'ai dit que je voulais vous montrer ce passage secret. Quitte à vous le montrer dans le sens inverse, je vous le montre. Ah mais voilà, c'était ici. Voilà, on passait par là. Une espèce de petit embranchement, vous voyez. Qui était caché quand même, on peut le dire, hein. Et là-bas, on va carrément péter la glace pour l'ouverture, sauf qu'on va le faire dans le sens inverse. Ah mais non! Putain, ah mais non, 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 attendez. C'est énorme, c'est énorme. Alors en fait... Attendez, faut que je vous explique là. Faut que je vous explique. En fait, là, c'était le premier passage secret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là. Avec la tente, là. Ici. Donc en fait, c'était pas l'autre. Mais attendez. Ah, donc l'autre, on le prend juste après, en fait. C'est ça. Attendez, on va voir ça. De toute façon, on n'a pas de limite de temps. Hein. Bon, évidemment, là, je vais finir dernier. Donc, voyons si je passe ici. Mais allez, mais putain, mais c'est... Mais je comprends pas, là. Pourtant, d'habitude, je faisais comme ça. C'est bizarre, ça. Voyons, je suis là. Là, on peut pas, donc... Ah, voilà, en fait, il faut monter... Mais non, pourtant, il veut pas. Tiens donc. Vous voyez là, à gauche, ah mais je comprends pas. Tiens. Étrange. Voyez un petit peu si, si. Voyez un petit peu là. Ah non, non, c'est fini, ouais. Il était là. Hein. Ah ouais, non, non, c'était celui-là, ouais. Bon, écoutez, j'ai pas tout compris. Pourtant d'habitude... Ouais, non, mais si, si, ça y est, je sais. Ouais. Parce qu'en fait, d'habitude, j'ai pas l'habitude de ce vaisseau. Voilà, c'est ça. Ce module-là... J'ai pas du tout l'habitude et en fait, pour une raison que j'ignore, celui-là il a beaucoup plus de mal en fait à monter sur le petit monticule là de tout à l'heure. Alors que quand je prends mon vaisseau, mes vaisseaux habituels... Oh putain, là on va aller à droite. Ouh, c'est bon, j'ai réussi à passer. Ouh, lolo. Eh ben j'ai beaucoup... Est-ce que je les ai rattrapés? Carrément, je les ai rattrapés. Alors à mon avis, ils m'ont un petit peu attendu, hein. Ça, c'est le syndrome Mario Kart. Parce que sinon, c'est impossible de pouvoir les rattraper. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est un jeu qui est pas mal. Parce que là, putain, là par contre, il y a aussi un passage secret en haut. Oh, putain, c'est pas possible, ça. Ah, je vais bien réussir quand même à vous en montrer. Voilà, si on passe par là, vous voyez, au lieu d'aller sous la grotte, là. D'ailleurs, là, il y a le numéro 10 et le numéro 11 qui y passent également. Et bien, on peut passer par là. C'est un petit raccourci. Par contre, faut pas se prendre les espèces d'obélisques là. Wouah! Putain! Oh putain, je suis dead, et ouais. Il fallait obligatoirement passer sur la gauche là. Ouais, donc c'est la conduite. Bon, vous l'aurez compris, c'est totalement typé arcade. Mais c'est agréable. C'est pas. Je veux dire, c'est extrêmement.
C'est très vif, c'est très nerveux, c'est ça se manie très bien. Attendez, là, je vais me concentrer pour prendre ce nom de dieu de passage qui est à gauche. Voilà, merci. Oh putain, non, je me suis pété un réacteur. Oh putain, quelle malchance. Ah, nickel, quand même, je recommence de là, donc je peux quand même vous le montrer. Bon! Finalement, j'aurais réussi à vous le montrer, ce passage secret, vous voyez. Voilà. Carrément sous la montagne. Et voilà le travail. Et ça permet de prendre le passage sur le pont beaucoup plus facilement. Sachant que là, je joue comme une véritable bite et qu'en plus, je vois qu'on est entre 400 et 500 km/h, ce qui est rien du tout. Donc, on va dégager de là. Plutôt que de faire n'importe nawak, je vais prendre ma sauvegarde, ma vraie sauvegarde. Hop, hop, hop. Et là, on va prendre... Non, 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 non. On va prendre... Pas ces Bulba, je voulais vous montrer ces Bulba, mais... Je vais vous prendre un personnage qui envoie ses vers. Si je le retrouve... ouais, Nevaki, elle est pas mal, regardez. Vitesse max, elle est à fond. Hein. Et elle a une très très bonne accélération. Mais j'ai pris en fait le personnage qui est le plus... Mais putain, où est-ce qu'il est, je l'ai... Ah non, c'est lui, je crois. Ah oui, c'est lui. Avec ses 4 réacteurs rouges, là. Lui, avec lui, c'était... On va refaire la première course. Avec lui, c'est très facile de dépasser les 1000 km/h. Voilà. Vous avez vu qu'on avait une option miroir. Hein. Parce qu'une fois qu'on a fini le jeu complètement, je précise... On peut se refaire, le mode miroir est débloqué et on peut se refaire toutes les courses en mode miroir. Putain, regardez la gueule qu'il a, c'est énorme. Regardez la vitesse. Voilà, vous allez voir la différence entre là et ce qu'il y avait tout à l'heure. Vous allez comprendre que ça n'a juste rien à voir. Par contre, il faudrait que j'arrive à faire la post-combustion. J'ai réussi, mais... Eh putain, c'est pas vrai, hein. Ah putain, quelle malchance. Ah non, c'est trop tard, là. Trop tard pour la post-combustion. Enfin, déjà là, vous pouvez voir que la vitesse, ça a déjà plus grand-chose à voir avec le Anakin. Là, par contre, faut vraiment faire... Ah putain. Là, c'est le passage délicat de cette course, hein. Si tu peux pas te mettre... Attendez, là, je vais essayer de le faire. Ok, c'est parti. Regardez la vitesse. Voilà. Merde, je me suis planté, mais c'est pas... Vous avez vu? Voilà, là, on a dépassé les 1000 km/h. C'est la vitesse maximum du jeu. Mais ça vous montre quand même la vitesse que l'on peut atteindre. Voilà. Soyons clairs, dans aucun autre jeu de course sur la N64... Allez, c'est parti. Même sur notre jeu, on peut atteindre une telle vitesse. Regardez-moi ça. Après, il faut vite freiner, forcément, hein. Sinon, c'est foutu. Alors, il faut que je vous explique comment se passe donc la nitro. La post-combustion. Oh, on a eu de la chance, putain. Attendez, on va essayer de refaire la même. C'est parti. Sachant que là, si je me prends un débris, c'est mort. Hein. La nitro est annulée. Regardez-moi la vitesse de ouf. Là. Ouf. Truc de ouf, quand même, franchement. C'est ce que j'appelle des sensations pures. Donc le problème de la nitro, c'est que c'est pas un simple bouton. D'abord, il faut être au maximum. C'est-à-dire qu'il faut, enfin, il faut être à la vitesse quasiment maximum du pod. Là, par exemple, je peux le faire. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut orienter le joystick vers le haut jusqu'à ce que notre jauge en bas à droite... Ouf. Regardez, il y a une espèce de demi-cercle. Hein. En fait, c'est l'accélération du pod. Wow! Regardez, là, je vais vers le haut. Sauf qu'on peut quasiment que le faire en ligne droite. Sinon, ça se désactive. C'est ça, le souci. Là, il est activé. On reappuie sur l'accélération. Et c'est parti. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle jauge qui est en train d'augmenter. Et si elle atteint le... Si cette jauge atteint le point rouge en haut, c'est là où on a un réacteur qui flambe, qui s'enflamme carrément. Qui s'embrase même, j'ai envie de dire. Et c'est là où, si ça arrive, il faut très vite appuyer sur le bouton R, maintenir appuyé, ce qui va nous faire perdre de la vitesse, mais ce qui va nous permettre de réparer le réacteur. Et plus généralement, vous aurez remarqué qu'en bas à gauche, l'espèce d'icône verte, ça symbolise en fait nos deux réacteurs, nos deux moteurs. Et quand on se prend des dégâts, c'est affiché.
vous l'aurez marqué. Et au fur et à mesure de la course, si on se prend trop de dégâts, ça va virer au jaune, puis ça va virer au rouge. Et quand ça vire au rouge, d'abord quand ça vire au jaune, on perd de la vitesse. Et quand ça vire au rouge, il y a généralement un réacteur qui s'enflamme et on crève. Donc faut très vite réparer. Et donc, mais comme je vous l'expliquais, quand plus on répare, plus on perd de la vitesse. Et ça, c'est pas bon. Il n'y a pas bon de perdre de la vitesse. Mais là, pouvez, là, je vous laisse ralentir parce que regardez-moi ça. Regardez à la fois la modélisation du vaisseau. Regardez-moi ça, les réacteurs, c'est un truc de ouf. Mais même les décors, c'est franchement magnifique. Alors, bien sûr, il y a du clipping. T'as regardé les deux soleils là-bas de Tatooine avec l'effet de lens flare. C'est le reflet éblouissant que l'on peut désactiver dans les options. Bien sûr, il y a du clipping, il y a du brouillard. C'est le seul et unique bémol que l'on peut signaler, point de vue technique. C'est le seul. C'est vrai qu'il y a du brouillard. C'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup, quoi. Il y a des jeux, il y a beaucoup plus de brouillard. Là, certes, il y a du brouillard, mais comment voulez-vous faire autrement quand on a un jeu qui a une telle rapidité, qui a une telle vitesse d'animation? Voyez? Donc, il y a du clipping. Mais honnêtement, c'est un clipping, j'ai envie de dire, qui est maîtrisé. Vous voyez, là-bas, quand même, oui, on voit bien que... Voilà, là-bas, regardez, ah, il y a du blanc, là-bas, voilà. Donc, hop, là, ça y est, les textures sont en train de se former, les paysages se forment, voilà, au fond. Mais quand même, je trouve qu'on a une distance d'affichage qui est vraiment suffisante, on va dire, largement suffisante. Ça aurait pu être bien pire, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais que c'est, regardez, même la falaise à droite, elle est super bien faite pour ce que c'est. On est que sur la N64, quoi. Sérieux, ça en jette, quoi. Ça en jette. C'est un jeu qui a de la gueule. Ça qui a de la gueule, quoi. C'est... Au niveau du gameplay, comment vous dire? Le gameplay, il est bon. Encore une fois, le gameplay, il est bon. Je vous l'ai dit, c'est vif, c'est nerveux, c'est rapide. La conduite est agréable. Les véhicules se dirigent au quart de tour, tu vas à droite, ça va directement à droite, peut-être même un petit peu trop vite, d'ailleurs, un petit peu trop vive, un petit peu trop sec. Mais à la longue, il y a quand même une espèce de manque de fun. C'est-à-dire que si on se prend pas complètement au jeu, on se fait quand même un petit peu chier. Et puis je trouve également, et ça c'est autre chose, que l'ambiance Star Wars, elle est pas vraiment là. Sauf bien sûr dans cette course-là et dans la dernière, qui est donc la véritable course de Tatooine, que je vais vous montrer plus tard, qui là évidemment reprend la thématique du film, donc forcément se croit dans Star Wars. Mais pour les autres courses, et vous l'avez vu dans la course enneigée par exemple, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, la course enneigée? Où est-ce qu'on est? Je veux dire, c'est pas du Star Wars. Et c'est valable pour beaucoup d'autres courses, la plupart en fait on se croit pas dans Star Wars. Tu te crois plus dans un jeu un petit peu lambda où ils ont fait comme ça des décors parce qu'il fallait bien faire des décors, quoi, vous voyez. En même temps, c'était difficile, c'est sûr, c'était difficile, mais voilà, je trouve que l'ambiance Star Wars, on a du mal vraiment à s'imaginer dans Star Wars, je sais pas. Ça manque de sabre laser, cette histoire. Non, je sais pas comment vous dire. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est que globalement, si on se prend pas complètement au jeu, la lassitude risque de se faire sentir assez vite, quoi. Voilà, à cause d'une maniabilité qui est quand même un petit peu brutale. Je sais pas, ça manque peut-être un petit peu de finesse. En tout cas, ça c'est, comment dire, c'est la première approche quand on commence le jeu. Je vais vous dire, pour tout vous dire, moi j'ai eu trois phases avec ce jeu. Première phase, quand on joue pour la première fois au jeu, on se dit, oh putain, c'est rapide, ça se manie super bien, c'est super joli, on va vraiment s'amuser. Au bout de 30 minutes, 45 minutes, on se dit, ouais, finalement, c'est quand même toujours la même chose, on se fait vraiment chier. En fait, faut accélérer à fond, faut freiner. Dès qu'il y a un virage, faut freiner. Quand t'es dans une ligne droite, mais vraiment une grande ligne droite, tu peux enfin utiliser ta post-combustion parce que sinon tu ne le peux pas. Ça, c'est vraiment pénalisant, c'est presque frustrant en fait. Tu sais que tu peux avoir un boost, mais tu peux quasiment jamais l'utiliser. Et ça, moi ça m'a frustré. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui m'a frustré. Ça, c'est la première phase. Ensuite, seconde phase. Non. Ça, c'est la seconde phase. Non, oui, c'est ça. Seconde phase, tu te dis, donc au bout de 30-45 minutes, ouais, c'est un petit peu chiant. Bon. Mais si t'insistes vraiment, c'est-à-dire que t'arrives, t'améliores vraiment tes véhicules, t'arrives aux courses avancées dans le jeu, donc les courses qui sont vraiment à haut niveau, tu te rends compte que là, le jeu est finalement beaucoup
plus technique que ce qui n'y paraît en fait. C'est un jeu qui, je trouve, est extrêmement technique à haut niveau. Il est presque élitiste. Voyez, il faut de la skill. Il faut maîtriser son bolide à 100% si on veut y arriver. Là, vous pouvez pas vous en rendre compte parce que c'est les premières courses du jeu et que c'est simple. Mais dans les courses avancées, c'est beaucoup plus compliqué. Si on fait pas gaffe, on se prend le moindre mur, c'est synonyme de explosion du véhicule et on peut carrément recommencer la course parce qu'on sait qu'on ne finira pas premier. Et donc, t'es obligé de connaître les tracés par cœur. Ça, c'est un petit peu pénalisant, quoi. Si tu connais pas, dans les circuits avancés, les trajectoires, ouais, limite par cœur, bah, tu te manges, t'arrêtes pas de te manger des murs à 800 km/h, tellement que ça va vite, quoi. Voyez ? Donc, mais, voilà, j'ai envie de dire, il y a plusieurs approches dans ce jeu. Il y a plusieurs approches. Si vous voulez faire, mais c'est un jeu qui peut être vraiment intéressant, je trouve, pour ceux qui s'en donnent les moyens. C'est ça. Parce que c'est un jeu, comme je vous dis, qui est beaucoup plus technique que ce qu'il n'y paraît au premier abord. C'est ce que je pense, en tout cas. Allez, on appuie sur Start. Putain, déjà 47 minutes, c'est juste hallucinant. De quoi je vous ai pas parlé, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer quand même d'autres... voyons... Ah oui, Malastar est pas mal, je crois. Allez, je vais vous montrer celle-là. On va changer de véhicule. Hop, je vais vous montrer Sebulba quand même. Donc, je vous le dis, c'est le tout dernier véhicule à débloquer. Malheureusement, je trouve que c'est pas le meilleur. C'est ça qui est con, c'est que c'est le dernier. Donc, logiquement, on se dit putain, ça va être le meilleur et tout. Mais non, non, non. Il est bien. Hein, le pod de Sebulba est pas mal. En plus, on peut utiliser le lance-flamme, même si ça sert pas à grand-chose. Mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur du jeu, donc c'est assez étonnant quand même. Ouais, je sais pas. Un petit peu bizarre. Ah non, c'est pas cette course-là. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire un ou deux tours de celle-là. Course de nuit. Là, on se croirait un petit peu dans Wipeout quand même. Hein. Là, si tu remplaces le module par un véhicule de Wipeout, ah, tu peux presque te prendre. Ouais, ouais. Tu te croirais dans Wipeout 64 là. Hein. Enfin voilà, donc ouais, c'est un jeu qui est pas mal, mais encore une fois, à haut niveau, il faut s'en donner les moyens, parce que si on fait que accélérer, freiner, c'est pas possible. Alors autre chose, je vous ai pas non plus parlé du dérapage. Oui, le bouton Z, donc c'est-à-dire le bouton de que l'on se sert avec notre index de la main gauche, ça permet de faire une espèce de... Oh putain, je suis mal pris. Et je me suis déchiré la gorge aussi. Regardez, je vais le faire. Hop là. Ah non, là j'aurais pas dû, je suis con. Le machin, c'est un épingle à cheveux total. C'est un virage super serré. Et je vais vous montrer le truc qu'il faut pas. Quand on laisse appuyer sur le bouton Z, regardez, je peux vous montrer. Bon, regardez, il y a le cockpit du pod, voyez. Comme ça, qui se laisse manœuvrer. Donc c'est pour prendre les virages serrés. Mais il faut pas. Il faut également freiner en fait. C'est quelque chose qu'on est quasiment obligé de maîtriser si on veut faire des bons chronos. Sinon, c'est pas la peine. Moi, quand j'ai fait le jeu pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dérapage de merde? Ça sert à rien. C'est de la merde, ça n'a rien à voir avec Mario Kart, par exemple. Non, non, c'est complètement différent. Il faut réussir à dompter cette espèce de pseudo-dérapage. Sinon, on peut pas faire des bons chronos, clairement. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est un petit peu... C'est pas évident. Oh putain, ah non non, il faut que je me manie là pour la rampe après. Ah non, c'est pas encore, c'est juste après. Oh putain, là j'ai bien intuité là. Là on va aller à fond. Voilà, là on relève le pod. Ah putain, c'est pas vrai, quel con. Oui, parce que quand on a comme ça des petits sauts. Là par contre il faut bien freiner, voyez. Hop là. Quand on peut faire des petits sauts, si on va faire, si on incline le joystick vers le bas, forcément on ira un petit peu plus haut. Si on l'incline vers le haut, le pod va plonger. Vous voyez que là c'est quand même extrêmement simple parce que je joue pas très très bien. Je me prends quand même pas mal de murs, vous voyez, comme là. Et malgré tout, je suis premier. Regardez, en haut à droite, 1 sur 12. Donc c'est pas très compliqué. Regardez, je vais me faire toucher mon réacteur. Regardez en bas à gauche. Regardez en bas à gauche. Là il est... Ah, il est au jaune, vous voyez. Là déjà il est au jaune. Si je continue comme ça à me prendre des murs, il va forcément virer au rouge. Là, voilà, là il est rouge. D'ailleurs là on le voit, il commence à fumer, là il est noir.
Si je continue un petit peu, il va exploser. Donc là, il y a marqué attention. J'appuie sur le R. Ça se répare. Je perds de la vitesse, comme vous le voyez. Mais mon réacteur est maintenant réparé. Bon, il est toujours en jaune, donc il faut faire gaffe. Mais il est réparé. Donc là, par contre, je vais essayer. Ah, Stone Point. Putain, j'ai eu de la chance. Gros freinage. Par contre, vous l'avez vu, pour exploser, il faut quand même... Faut quand même y aller fort, hein, vous voyez. Regardez, là, je vais me faire exploser. Je vais essayer... Ah ben non, merde, c'est la fin. Pour que notre véhicule explose complètement, faut quand même aller très 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 vite, limite à fond, directement sur, sur un mur, quoi. Du coup, ça explose. Sinon, j'ai envie de dire, ils ont fait en sorte que le jeu ne soit pas extrêmement difficile, même si ça dépend du pod. J'ai l'impression que la résistance, ça dépend vraiment des pods. Celui de ces Bulba étant particulièrement résistant, il y en a d'autres, faut vraiment faire beaucoup plus attention que cela. Non, c'est pas ce circuit-là en plus que je voulais vous montrer, donc c'est con. C'était... Alors ça doit être celui-là, la vengeance. Les mines d'épices. Malasta... Là, ouais, je pense que c'est celui-là. C'est un circuit de nuit qui a un arrière... Ah non, attendez, on va changer de véhicule. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, allez, on va reprendre Anakin, tiens. C'est un circuit de nuit, on va voir. Parce que je suis... Ah, je crois que c'est celui-là. Regardez l'arrière-plan. Regardez le background. Il est juste magnifique. Il y a une espèce de ceinture de... Comment dire? D'astéroïdes, regardez. Une ceinture d'astéroïdes en mouvement. Regardez comment c'est beau. Et il y a une espèce de planète à un moment que l'on peut voir. Mais regardez, enfin, je vais pas vous dire à chaque fois de regarder, mais quand vous le pouvez... Merde, quel con, c'est pas du tout là qu'il fallait aller. Oh putain, alors là... Regardez la vitesse. Regardez là la vitesse de Anakin. Là, le pod de Anakin est augmenté au maximum. Comment voulez-vous jouer si vous ne connaissez pas le circuit par cœur? C'est impossible. Vous pouvez pas, quoi. Vous allez à fond, mais... Regardez. Regardez la vitesse. Voyez? Donc, c'est sûr que la première fois qu'on voit ça, on se dit, mais c'est n'importe quoi, ce jeu. Ça va beaucoup trop vite. C'est complètement injouable. Non. Je vous assure que non. C'est juste qu'effectivement, faut connaître les circuits. Il faut freiner au bon moment. Faut arriver à utiliser... Putain, là, j'ai pas eu de chance. Faut arriver à utiliser la post-combustion au bon moment. Et quand on fait ça, ça devient jouissif. Mais c'est vrai qu'il faut de l'entraînement. Clairement, il faut de l'entraînement. Surtout, comme je vous l'ai dit, pour les circuits. Oh putain, vous voyez, là on n'a pas le choix. Là, t'es obligé de passer pile-poil au milieu, quoi. Mais en même temps, cette course-là, je crois que c'est la sixième. Donc, comme je vous l'ai dit, les courses avancées des tournois, ils sont vraiment... Oh putain, je suis fiché. Ah, et là, je suis dead. J'ai perdu un réacteur, je suis foutu. Vous avez vu l'animation, quand même. Super bien fait. Là, on est dans une phase sans gravité, forcément. Le tunnel anti-gravité, je me prends un astéroïde en pleine face, c'est nickel. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est un petit peu orienter le pod pour pas se prendre les débris. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous, ça me saoule. Ah, mais ça me saoule de jouer comme ça. Alors là, on ne voit que dalle. Je vais essayer de jouer correctement, vous savez quoi, parce que j'en ai marre de faire le gros ornithorynque. Donc, je vais essayer de se concentrer. Voilà, c'est pas mal. Vous avez vu, on n'a pas encore fait un tour, hein. Vous aurez remarqué. Donc comme je vous l'ai dit, les circuits, voilà, ça y est, on a fait un tour, il aura fallu 2 minutes. La plupart des circuits font 2 minutes. Donc vous voyez, c'est vraiment des circuits qui sont longs, quoi. On pourrait croire, parce qu'on va extrêmement vite, qu'on va faire comme ça le tour en 20 secondes. Non, vous voyez, c'est vraiment des circuits qui sont longs, et ça fait plaisir. Ça fait clairement partie des gros points forts de ce jeu. Ensuite, c'est vrai qu'on a... Ah putain, pourtant je freine, mais ça suffit pas, hein. Le problème, c'est que j'arrive plus trop à me servir du dérapage. J'ai perdu la main. Oh putain, c'est ma faute. C'est ma faute. Ah, peut-être que je vous ai pas parlé de la bande son. La bande son. Alors, au niveau musique, c'est une grosse déception. Pourquoi? Parce que, ben, j'ai envie de dire, je me la ferme et écoutez. Putain, vous avez vu, et en plus ça c'est très vicieux, parce que c'est une porte qui se tourne. Donc vous l'avez entendu, il n'y a pas de musique.
Et ouais, c'est pas un bug, il n'y a pas de musique, je vous explique. Donc, toutes les courses se font en 3 tours. Je suis encore chopé un rocher. Toutes les courses se font en 3 tours, mais durant le premier et le deuxième tour, eh ben, il n'y a pas de musique. Histoire de nous laisser certainement apprécier le bruit des modules et tout ça, l'ambiance sonore, mais c'est complètement con ça. Qui c'est qui a eu cette idée? Et en fait, on entend la musique que au troisième tour pour mettre un petit peu, vous voyez, pour nous dire, oh là, attention, c'est le troisième tour, attention, là, ça devient intense, t'as plus droit à l'erreur. Et c'est seulement donc au troisième tour qu'il y a une musique qui se met en branle. C'est complètement con ça. D'ailleurs, je vais me la fermer parce qu'on va arriver. On va arriver au troisième tour. Et donc, écoutez. Vous l'avez entendu au niveau de la musique. On va changer de vue quand même. La vue que je préfère, c'est celle-là, la vue intermédiaire, parce que ça permet vraiment d'apprécier le module dans toute sa splendeur. Encore une fois, modélisation de grand psychopathe. Voilà, vous l'avez entendu, donc pour la musique, c'est un petit peu... Par contre, je joue super mal, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, sérieux. Non, mais je joue super mal, quoi. Putain, on a l'impression que c'est la première fois que je joue au jeu, quoi. Hallucinant. Qu'est-ce que je fous? J'essaie de me concentrer pour pas me prendre de rocher cette fois-ci. Non! Ah putain, je me suis pris le faisceau! Le faisceau laser! Putain, c'est pas vrai! C'est ouf quoi, comment j'aurais mal joué! Concentration! Concentration! Oui, ça c'est pas mal! Allez, là on est bon, là on est bon, là on est bon! Et je suis premier, j'ai peut-être réussi à finir premier. En même temps, soyons clairs, si là je réussis à finir premier, c'est pas du tout à cause de ma prestation. C'est parce que le module de Anakin est augmenté au maximum. Et donc du coup, comment dire, la vitesse en fait me suffit. Même si j'arrête pas de me cracher et tout, même si je freine quand même très souvent, la vitesse du module suffit à ce que j'arrive premier, vous voyez. C'est ça le truc. Mais normalement, quand on arrive à ce moment-là du jeu, on n'a pas un vaisseau aussi puissant. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de finir premier parce que forcément les autres te talonnent. Et du coup, eh bien... c'est une autre paire de manches. Bref, les musiques, pour moi, c'est une déception parce que c'est complètement con d'avoir seulement un thème à l'écoute lors de la troisième, lors du troisième, du troisième tour. Je trouve ça un petit peu con. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée. Je trouve ça assez étrange. Certes, ça met l'ambiance et tout, bien sûr. Mais c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Et au niveau des bruitages, mais là encore, c'est une petite déception parce que souvenez-vous dans le film. Les modules ont tous un bruit spécifique, notamment celui de Sebulba qui fait comme une espèce de bruit de piston comme ça. Et bien là, il ne le fait pas du tout. Tous les modules ont quasiment le même son, une espèce de bruit d'avion en réaction comme ça, avec des turbines. Mais ils ont quasiment tous le même bruit, il y a quelques petites variations, mais c'est infime au niveau des variations audio pour les modules. Donc c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé, en jouant Sebulba, entendre le ta 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 ta. Mais non. On n'entend pas le ta 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 ta. Allez. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, on vient d'atteindre l'heure de vidéo. Hallucinant pour ce jeu, quand même. Bon, je pourrais vous montrer quelques autres courses, mais... Ah oui, sachant donc qu'en tout... là vous avez vu quand même beaucoup d'environnements différents. Il y a 7 environnements en tout. Donc environnement sur Tatooine, environnement plutôt de lave, environnement de glace, environnement, vous l'avez vu dans celle que l'on vient de faire, où on est un petit peu, je sais pas, comme si on était sur un vaisseau dans l'espace, hein, on sait pas trop où on est. Environnement, ah ouais, il y a une course qui est pas mal aussi. Attendez, par contre elle est où? Non, elle est pas là. Non, elle est, attendez. Non.
Alors, je vous ai pas non plus dit le nombre de courses, mais il y en a donc 3 tournois avec 7 courses, 3 x 7, 21, c'est bien les enfants. Et ensuite, on débloque également 4 courses bonus. Ils appellent ça le circuit d'entraînement, je sais pas vraiment pourquoi, c'est un petit peu con de l'avoir appelé comme ça. C'est 4 courses bonus en fait, qui sont assez coriaces, je dois dire. Mais donc, ah voilà, attendez, mais putain, où est-ce que. Avant de vous faire le circuit de Tatooine complet, c'est un circuit où il faut au minimum 2 minutes 30, voire 3 minutes pour faire un seul tour. Donc imaginez si je le fais en entier, on va mettre 9 minutes. Sachant que je ne vais très certainement pas arriver premier. Il me faudrait quand même de l'entraînement. Mais je voulais vous montrer un autre environnement, mais je ne sais plus où il est. Ah voici, je crois que c'est ça. La côte de Ba. Ah oui, c'est celui-là. Ah, celui-là, il est joli. Ah, il est joli. Il est joli. On va peut-être changer de véhicule pour vous en montrer un autre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah oui, lui, c'est celui Mawonic. C'est lui qui se fait heurter par ses boules bas dans le film quasiment dès le début. Hein. Je crois même qu'il meurt. Mars Guo, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un pote qui soit pas mal quand même. Et pas une vieille brouette. Ouais, Nevaki est pas mal. Alors, en plus, c'est le seul pod qui n'a pas de. Attendez, est-ce que je vous ai tout montré au niveau de l'amélioration? Je crois que oui, y a rien d'autre à savoir. Oh ouais, c'est bon. Bah oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le seul pod qui n'a pas de faisceau électrique pour maintenir les deux réacteurs entre eux. En fait, c'est le coupleur d'énergie, ils appellent ça exactement. Voilà. Ah oui, ça c'est assez joli. Ouais. Là, ils ont fait un effort. Regardez, en fait, vous voyez, c'est un véhicule classique. Il n'y a pas d'arc électrique qui maintient les deux réacteurs. Lui, par contre, il a une espèce d'accélération de grand psychopathe aussi, je crois. Ah oui. Ah oui. Regardez-moi ça! Comment tu veux aller à fond quand tu ne sans te prendre un mur quand tu connais pas la piste? Je veux dire, ça c'est un challenge. Le challenge en fait de ce jeu, il est là. C'est de réussir à maîtriser, c'est de réussir à aller tout le temps à fond, d'utiliser la nitro et de ne pas se prendre de mur. C'est ça le truc, c'est ça. Est-ce que je vous ai tout dit au niveau des commandes? Je crois que oui. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça sert pas à grand-chose malheureusement de se mettre sur la tranche, c'est vraiment dommage. Je crois que. Oh putain, c'est pas mal là. Oh attention là. Ouh! On va essayer de slalomer entre les palmiers et les statues Maya. Ah oui, alors en appuyant sur le bouton L, mais là il faut se la jouer acrobate des mains là. Je vais essayer de l'atteindre maintenant. Hop là. Non, là j'ai pas réussi, voyons. Voilà, alors, on peut soit enlever notre map qui était à droite, ou alors hop là, on met. Une autre map, regardez à droite. Là, je viens de prendre un petit raccourci. Oh putain! Là, je sais pas du tout où je suis là. Oh, j'ai perdu un réacteur. Vous voyez à quel point ça peut être le bordel quand on ne connaît pas le jeu. Ou quand on s'en souvient plus plutôt. Quand on ne se souvient plus du tracé. Parce que là, c'est. Un peu du oh my god quand même. Ouais, regardez à droite. Ça permet de voir un petit peu la position. Mais c'est pas très bien fait. Voilà, une qui est intéressante, c'est celle-ci. Reprise de Mario Kart 64. Voilà, on peut voir, regardez sur les côtés de l'écran, voilà, on voit que là je suis premier et je peux voir un petit peu à quelle distance sont mes poursuivants. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est sûr que là, quand. Oh putain, attention, vite, faut vite que je répare là, j'avais pas fait attention, vous voyez. Sachant que là, ça va tellement vite que je n'utilise jamais la nitro, vous voyez. Là, je peux pas quoi. Je peux pas utiliser la nitro, comment voulez-vous? Encore une fois, t'es obligé non seulement d'aller à fond, de maintenir, regardez, il faut maintenir le joystick vers le haut pendant 3-4 secondes pour que la jauge se remplisse. Et c'est seulement ensuite que tu peux. Il faut réappuyer sur l'accélérateur pour que la nitro s'enclenche. Ah, sérieux, c'est très contraignant. Je pense qu'ils auraient dû faire un système un petit peu plus facile à utiliser parce que moi, ça me frustre de ne pas pouvoir assez utiliser cette nitro. Tellement, on va essayer. Ah, c'est parti. Parce que là, je vais certainement me faire niquer très vite. Oh putain, là, on est à donf là. On est à donf là. Oh! C'est pas mal quand même. Là, je pense que je vous ai tout dit. C'est une course, disons, qui me fait penser à Mario Kart. Ouf.
un petit peu plus moche là quand même. Faut dire que là les textures qui sont sur le côté, bon, c'est vrai que c'est pas génial hein. La forêt aurait peut-être pu être un petit peu mieux rendue. Allez vite. Ouais c'est... Ah nickel, là pour une fois vous voyez j'ai bien maîtrisé. Même si je me colle sur quasiment tous les côtés. Ouf. J'ai plutôt bien intuité. Pas trop mauvais là. Hop hop, c'est pas mal. On continue comme ça, je suis premier. De toute façon, c'est pas un peu de water. Allez, là, je suis encore parti en couille. Allez, je crois que je vais vous faire donc la dernière course et puis on va s'arrêter là. Hein, je crois que je vous ai tout dit. Je peux également vous mentionner qu'il existe une suite sortie uniquement sur PlayStation 2 qui se nomme Star Wars Racer Revenge. Je n'y ai jamais joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup moins connue que ce titre-là. Qui avait quand même fait son petit effet, hein, Star Wars Episode 1 Racer. Il avait creusé son petit trou quand même, il avait eu sa petite, son petit quart d'heure de gloire, si on peut dire. Non, c'était vraiment un jeu sympa. Voilà. Et étonnant, moi j'avais été agréablement surpris, je m'attendais à une pseudo-bouse et non, quand on creuse, on se rend compte qu'il est mieux que ce qui n'y paraît. Au départ, on se dit, putain, c'est un jeu qui est totalement bourrin, quoi. Accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner, ça va trop vite. Non, encore une fois, il y a autre chose, c'est juste, j'arrive plus à parler. C'est juste qu'il faut se donner la peine de s'entraîner. Il faut connaître parfaitement les tracés. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Maintenant, on peut regretter qu'il n'y ait qu'un seul mode de jeu, qu'il n'y ait pas de véritable coupe où on gagne des points avec des trophées à gagner. C'est vrai que là, c'est vraiment c'est des courses uniques à chaque fois. Même s'il y a trois tournois, en réalité, c'est toujours des courses uniques. Que ce soit dans le mode tournoi, dans le mode free libre ou dans le contre-la-montre, c'est toujours des courses uniques, tu dois finir premier. Il n'y a absolument rien d'autre. C'est le seul et unique mode de jeu. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je vous montre la toute dernière course que l'on débloque. Tout à la fin, c'est vachement hard quand même de la débloquer. La classique de la Bunta, c'est pas évident de la débloquer, honnêtement. Et quand on finit premier à celle-là, on débloque Sebulba. Donc, qui est-ce que je vais prendre en véhicule? Je sais pas trop, je peux prendre Anakin. Ouais, mais si je prends Anakin, je sais que je pourrais pas arriver premier. C'est sûr. C'est Bulba, il est résistant, mais... Ouais. Je sais pas trop, hein. Bon allez, je prends Anakin. Ouais, Nevaki, elle est bien là, ouais. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir une grosse accélération, vous voyez, fulgurante, comme ça après tu peux freiner. Mais le truc, c'est que Nevaki, j'aime vraiment pas son vaisseau en fait. Il est pas joli, quoi, vu qu'il a pas de d'arc électrique, de coupleur d'énergie. Tant pis, je prends Anakin, c'est pas grave. Commencer la course. Et donc je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu qui est bon. C'est un jeu qui est bon, voilà. Un jeu de la N64 qui en jette, qui en met plein la gueule, qui est réussi. Mais non, c'est sûr que c'est pas aussi amusant que Mario Kart. Forcément, on ne peut pas envoyer d'item. On peut pas. Il y a pas de carapace dans le jeu, donc c'est sûr qu'un jeu où t'as pas d'attaque, c'est forcément moins amusant. Ça demande plus de skill que Mario Kart. Ça n'a rien à voir de toute façon. Mario Kart sur N64, tu vas à 2 à l'heure, c'est du grand n'importe quoi. Tu vas à 50 km/h, quoi, tu vas pas à 800 km/h. Là, faut bien freiner, sinon t'es dead. Ouh, vous allez voir la différence entre ce circuit et le circuit en fait d'entraînement, le même circuit. Le premier, c'est le circuit en fait que je vous ai montré. Oh là là, voilà, c'est mort, laisse tomber. Non, mais c'est dead. Alors, déjà, je vais changer ma vue. Voilà, je vais remettre cette vue. Là, je vais recommencer parce que n'importe quoi. Et donc, non, je crois que je vous ai tout dit. Il est pas mal. Maintenant, c'est sûr qu'il a pris un gros coup de vieux, comme tous les jeux de course de l'époque, de la fin des années 90. Aujourd'hui, n'importe quel jeu de bagnole, de course, est beaucoup plus beau et plus fluide, même si là, la fluidité est déjà pas mal, a un intérêt supérieur et surtout a une meilleure maniabilité. Parce que même si là, ça se dirige bien, bah, le joystick de la N64, il a quand même pris un gros coup de vieux, quoi, il faut le dire. Il a pas beaucoup de... Là, je vais prendre un raccourci ici. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Là, on va sauter, on va aller vers le haut. Oui, là, c'est pas mal.
J'ai bien démerdé. De toute façon, c'est simple, si on veut finir premier à cette course, t'as pas droit à l'erreur. Voilà, c'est simple, t'as pas droit à l'erreur. Tu te plantes, t'es dead. Tu peux peut-être te cracher deux ou trois fois, mais c'est tout. Vous allez voir qu'il y a pas mal de clins d'œil en plus. Ah merde, je voulais rester sur la rampe. C'est plus facile quand on est sur la rampe à droite. Pas grave, pas grave, pas grave. Attention. Ok, vous allez voir qu'il y a pas mal de clins d'œil. Là, on va bientôt arriver, je pense, au char des sables, des Jabba. Faut bien faire attention, sinon il nous écrase. Hein. C'est un petit peu après. Regardez la longueur. Regardez la longueur. Regardez la vitesse. Regardez tout. Regardez tout. Là, il faut pas se planter. Hein. Là, il faut faire. Hop, hop. Tu freines à fond. Là, t'es comme ça. Là, t'es pas mal. Ok, t'es pas mal. Je suis seulement second. Hein. Là, on va avoir droit au Sarnac. Regardez en bas. Regardez ici. Voilà. Là, on vient de le voir un petit peu. C'est le Sarnac. Si on tombe dedans, on crève direct. Voilà. Plein de clins d'œil dans cette course. Le Sarnac, le char des sables. Et même les hommes des sables, ouah, même les Tuskens en fait en VO, les hommes des sables en VF, qui vont nous tirer dessus, c'est énorme, qui vont nous toucher et qui vont faire un petit peu vaciller le vaisseau. Et je suis troisième, hein, alors que là n'oubliez pas que j'ai un véhicule qui est augmenté au maximum. Et je me démerde plutôt correctement je trouve, même si encore une fois je suis pas un PGM. Là je crois qu'on va arriver au... Je sais plus si c'est le char des... Oh merde! Putain, vous voyez, la moindre erreur, t'es dead, quoi. Eh merde, je suis quatrième. Je crois qu'on va arriver... Ah, écoutez! Putain. Écoutez, écoutez. Oh bah, c'est plante, il s'est complètement planté. Je pense qu'en fait, le fait que je me crache juste avant, du coup, on n'a pas entendu les hommes des sables faire leur... regardez le char des sables. Putain. Et parce que ce qu'il faut savoir avec ce char des sables, c'est qu'il est en mouvement. Il n'est pas toujours au même endroit, en fait. Il bouge. Et le mec qui est vachement fort, il peut tenter... On va se mettre comme ça, parce que là, ça a une putain de vue juste magnifique. Le mec qui est vachement fort, il peut tenter de passer entre ses... Entre ces chenilles, là, faut bien faire gaffe de passer au milieu. Allez, mais putain, quel con alors! Dire un attardé, quoi! Pas vrai, ça! Allez, on va utiliser le boost. C'est parti. Je vais vous faire un petit coup d'enflammation du moteur. Attention. Oh là là, et là, regardez, si je fais rien, si je ne le répare pas, il va exploser. Quand il veut. Bah alors il explose, oui ou merde? Pourquoi il explose? Attendez. Ah, en fait il faut attendre plus que ça. Hein. Il va exploser là bientôt, c'est sûr. Voilà, ça y est, enfin, dis donc. Celui-là il aura mis du temps à exploser. Bon, mais là par contre c'est dead. Regardez, je suis 7ème. Je me fais rattraper de partout, malheureusement. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais. Putain. Ah, j'ai du mal. Ouah. Vous avez compris, il y a des... Ah putain, je voulais aller en haut encore. Bon, ça me saoule. Vous savez quoi? On va recommencer parce que j'en ai marre. Voilà. De jouer comme une grosse brêle, ça me saoule. Voilà. Donc, je fais ma petite conclusion. Et ensuite, je recommence. Et je vais essayer de finir premier. Ça va être hard. Et ça va être un petit peu chiant pour vous. Parce que vous allez en avoir pour 9 minutes si je joue bien. Sauf si je joue comme une grosse merde. Et tant pis pour moi. Et puis j'arrêterai avant. Ouais, donc c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de course qui a aujourd'hui mal vieilli, comme je vous l'ai dit, parce que tous les jeux de course, ils n'ont pas cet aspect nostalgique qu'on retrouve dans des jeux de plateforme ou des RPG ou des jeux d'aventure. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un genre de jeu qui a très mal vieilli. Malgré tout, il faut reconnaître ses qualités, c'est-à-dire la vitesse, la réalisation, la fluidité, les sensations de conduite. Bah, tout ça, c'est vraiment top. Les courses qui sont vraiment longues. C'est vraiment rare d'avoir des courses aussi longues, 2 minutes, 2 minutes 30, en allant à 600, 700, 800 km/h. Ben c'est un tour de force de la part de LucasArt, excusez-moi. Ils auraient pu se contenter de tours qui font 30-40 secondes, et non, c'est 3 fois, 4 fois plus long. Donc franchement, top, top, voilà. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vous dis bye bye, à la prochaine, je recommence. Et je vais essayer de me concentrer et de faire une prestation honorable. Je vous laisse donc
apprécié. Ah non, t'es, ah, il y avait encore un truc. Bon, tant pis. Il y avait, je voulais vous dire. Moi, non, mais non, en fait, ça, je voulais vous en parler au dépur. Au dépur. Je sais plus parler. Au dépur. Je voulais vous en parler au dépur. Je voulais vous en parler au début de la vidéo. C'est vrai que là, on est donc en 1999. Et c'est vraiment, c'est l'âge d'or des jeux Star Wars. Il y en avait à l'appel. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est un truc de ouf. Allez, on tente le raccourci. C'est bon. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. À la fin des années 90, à partir de 96-97, sur PC et sur console, on a eu une quantité astronomique de jeux. Et j'ai encore raté la passerelle, c'est dingue ça. On avait une quantité astronomique de jeux estampillés Star Wars. Et aujourd'hui, on en a plus beaucoup, je trouve ça dommage. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a The Force Unleashed, on a les Lego Star Wars, on a... Waouh! On a... qu'est-ce qu'on a? On a le Kinect Star Wars. On a... Oh putain! Pas de bol là! Fichier! On a le Kinect Star Wars, on a évidemment Star Wars The Old Republic, qui devrait sortir bientôt, pas le Sarnak! Qui devrait bientôt sortir. Mais on en a beaucoup moins qu'avant, où on en avait deux, voire trois jeux LucasArts tous les ans. Fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est dommage. À croire que Star Wars ne fait plus recette. Moi, ça me fait un petit peu chier. Non pas que je sois fan des finiriens, mais j'aime... Il y a quand même une sacrée ambiance. Je veux dire, Star Wars, c'est une ambiance. Voilà, c'est les sabres laser. C'est un univers, c'est un background. Oh putain! Et tout ça, c'est important. Espèce d'enfoiré. J'imagine que le premier, ça doit être Sebulba. Donc attention à ces jets de flammes. Là aussi, faut faire gaffe, faut bien aller au milieu. Non! Oh putain, j'ai paumé un réacteur, mais quelle malchance! Putain! Ah, j'ai pas de bol là, j'ai paumé un moteur. Regardez les. Oh putain, vous avez vu là? Là par exemple, là, oh putain! Alors tous les petits jets de flammes, en fait, c'est un tir des hommes des sables. Et là, ils m'ont touché deux fois. Ce qui a fait que j'ai perdu le contrôle de mon pote, de mon module. C'est vachement bien fait. Honnêtement, je sens qu'il faut pas... Je vais vous dire, cette course... Oh putain! Oh, oh la vache! Putain! Oh ce coup de maître! Bon, un petit peu de moule, je vous l'avoue. Mais il y avait aussi de la maîtrise. Je suis passé au milieu des chenilles. Du char des sables, c'était énorme. Et attendez, attendez, putain, je suis second là. Sachant que si je finis troisième... Oh! Si je finis troisième, je pourrais vous montrer le ending. Oui, parce qu'il y a une fin, hein. Il y a une fin dans ce jeu. Bon, elle est pourrie, bien sûr, elle est pourrie. Allez, à fond. Non, merde, putain, mais putain, j'ai même pas réussi à faire ma nitro. Ça, c'est trop mal fichu. Ça, c'est super mal fichu. Alors, au niveau de l'interface, ça, voyez, le coût de la post-combustion, putain, on devrait pouvoir s'en servir plus facilement. Là, ça, c'est mal foutu. Putain, ça, c'est mal foutu, c'est mal foutu, c'est mal foutu. Je suis second, donc je me dis que je peux y arriver. C'est pour ça que j'essaye de faire attention. Je sais même plus de quoi je vous parlais. Oh putain, c'est génial. Oh putain, sérieux, je suis d'aigle. Putain de merde. Attendez, il s'agit pas de faire le marsupilami ni le krakoukas. J'étais con parce qu'honnêtement, j'ai bien joué dans le premier. Et allez, ça y est, ah, ça y est, je fais n'importe quoi. Et j'ai encore raté la rampe. Putain, vive les autres. Bon, allez, ça y est, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Hallucinant. Hallucinant, voilà, je suis quatrième. De quoi je vous parlais déjà? Oui, les jeux donc Star Wars, c'est ça. Ouais, mais aujourd'hui il y en a beaucoup moins, c'est, ça me fait chier, voilà, c'est tout. Ça me fait chier, voilà, tout simplement. Même sur 16 bits, on avait des jeux Star Wars, quoi, putain. Les Super Star Wars, eh bien, pour les fans, c'était quand même quelque chose, mine de rien. Voilà, c'est ce que j'appelle un bon passage, ça. C'était quand même quelque chose. Allez, une petite vue comme ça, histoire d'avoir des meilleures sensations. C'était quand même quelque chose, voilà, et après on a eu des trucs pas mal. Aujourd'hui il y en a beaucoup moins, c'est dommage, s'il vous plaît, messieurs de chez LucasArts. Essayez de vous sortir quand même quelques jeux Star Wars. Parce que je pense que ça ferait plaisir à beaucoup. Oh putain de... Oh putain, laisse tomber, cette vue là est totalement injouable. Ah, je suis sixième. Ah, je suis deg. Ah, quoique. Il faudrait que je rattrape le troisième. Et c'est pas évident là. C'est pas évident.
Bon, je crois que je vais me la fermer. Je vais vous laisser apprécier. Oh putain, la vache! Là, ça va être chaud de passer au milieu! Oui, c'est pas mal. Oh là, c'est pas mal. Là, j'ai bien rattrapé. Là. Attention, attention là. De pas se faire shooter. De pas passer dans un truc enflammé. C'est les tirs des hommes des sables. Oh putain, le con! Oh putain, vite! Réparation, réparation, réparation à donf là! Réparation à donf. Et on se fait évidemment rattraper. Et évidemment, j'ai perdu de la vitesse. Vous voyez? Et là, vous pouvez vraiment vous rendre compte sur cette course qu'il y a des sensations, franchement. Que c'est. Franchement, ça. Ah putain, le. Vous avez vu où il était placé? Vous avez vu où il était placé, cet enfoiré? Ah oui, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. J'étais en train de vous dire, c'est ça, juste avant de passer entre les chenilles tout à l'heure, que cette course est très certainement la meilleure de tout le jeu. Voilà. Et que comme ça, vous n'aurez pas regardé. Oh, génial, génial, génial. Ah, mais voilà, je suis mort, je suis dixième. Et voilà, game over. Tant pis, mais écoutez, vous ne verrez pas le ending. Voilà, tant pis pour vous. Voilà. Ce circuit est très certainement le meilleur de tout le jeu. Voilà, et il n'est pas évident à débloquer parce que, comme je vous l'ai dit, ben, avant lui, il faut se farcir toutes les autres courses. Sinon, on ne peut pas le finir. Mais écoutez, je vais vous laisser avec le dernier tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis bye bye. Oh ! Et à la prochaine. Oh du con, c'est quoi ce bug là? Hallucinant! Je me suis pris dans une espèce de moitié de texture à la mort moelle neuve. Alors que pour une fois, j'avais réussi à prendre le passage, dis donc, que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. Totalement hallucinant ça encore, tiens.